2006, ouais, quand j'ai vu la Strongest of the Strange, j'avais commandé le DVD direct. Dès qu'il est sorti, quoi, j'étais trop chaud, j'adorais ce que faisait Pontus et tout, j'étais bien fan. Quand je l'ai visionné ce soir-là, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Et j'ai vu, voilà, ce que je regardais vraiment, c'était les détails de « Ah ouais, ils ont fait un truc en bois, ils l'ont rempli de cailloux, ils ont mis du grillage, ils ont bétonné, bah les couilles. » Et j'ai vraiment retenu ça. Et le lendemain matin, j'ai appelé tous mes potes du village. On était une petite 15-20aine de skateurs à skater dans le village, à clairer les pins. Je leur ai montré la vidéo. J'ai dit, on fait ça là, tout de suite. On va au stade, là, au terrain de basket, et on fait ça. Et tout de suite, on a commencé. On a enfilé du caillou. Et trois jours après, on bétonnait. Et c'est là que c'est né ce petit DIY. Ouais. Donc, ouais, en 2006, je séchais les cours au lycée pour aller faire du béton. Et c'était trop cool, ça s'est vite agrandi, on a vite reçu du monde à skater, il y avait Sam avec Antiz, avec tous les potes qui ramenaient du monde, on se faisait des bonnes sessions, et ça a duré un peu plus de 10 ans, quoi. Et c'était vraiment super. Clairet, pour placer le truc, c'est un village de 1300 habitants, et quand on a commencé le skate, enfin moi j'ai commencé à un moment, et derrière, 2 mois après, il y en avait un autre, 3 mois après, 6 mois après, on s'est tous plus ou moins mis. Tout le monde a lâché la trottinette et les rollers de gamin pour finalement se mettre au skate. Et au final, on s'est retrouvé à avoir une asso où on était une trentaine d'adhérents. Il devait y avoir une quinzaine de skateurs dans le village, et avec les villages alentours, on devait être une trentaine d'adhérents. On a fait des concerts, des contests et tout, et ça a permis d'avoir une sorte d'énergie constante et surtout une population de skateurs assez dense. Et quand on se déplaçait, quand il y avait des contests dans d'autres villages, dans d'autres villes et tout, on faisait 2 voitures, on remplissait les bagnoles, on venait à tous. On a fini par, dans la région, être connus comme les gars de Clairet, quoi. Ce qui est assez dingue pour un aussi petit village, quoi. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu un coup de fil du maire de Clairet-les-Pins qui m'a dit « Ouais, bon, bah, là, il y a des trous dans le béton, il y avait un coping qui était dessoudé. » Et qui m'a dit « Est-ce que tu veux réparer ?» J'avais déjà fait plusieurs sessions de réparation, même quand j'y habitais plus, quand j'habitais en Bretagne ou même dans le sud de la France. Quand je revenais, je refaisais une gâchette de béton pour réparer. Je dis « Non, je pense que c'est bon pour moi, c'est fini, quoi. J'ai plus envie de l'entretenir, j'ai plus envie d'acheter des sacs de ciment. Il n'y a plus personne qui allait vraiment skater ce spot, quoi. Il n'y avait plus de relève dans ce village-là, il n'y avait plus de skateurs. Donc je lui dis « Non, vas-y, on détruit, quoi. » C'était un petit peu un peu le tournant pour moi, quoi, me dire ça me faisait chier, et en même temps on l'avait bien rossé ce spot. Ils sont venus avec des bulldozers, puis ils ont tout rasé dans la journée, et là moi dans ma tête, ça a pas mis longtemps, hein. J'ai traîné sur le bon coin, je dis maintenant il faut que je trouve un endroit à moi. J'en avais marre de construire comme je disais tout à l'heure, sous un pont, sur une dalle de supermarché, au terrain de basket, et tout a été détruit en fait à chaque fois. Donc je me suis dit j'achète une grange, un terrain, quelque chose. J'avais vraiment pour l'idée de faire un truc couvert pour skater toute l'année, pas loin de chez moi. Et je suis tombé sur cette petite cave à vin, petite troglodyte, pas très grand, mais avec du potentiel et pas très cher à l'achat. Et là, avec mon pote Quentin, on a bossé comme des oufs tous les week-ends à creuser dans la roche pour faire les cuvettes parce qu'il n'y avait pas assez haut de plafond. Et on a coulé le béton avec plein de monde qui sont venus aider. De Angers, du Mans, de Nantes, de Tours. Tout le monde est venu aider, on était une vingtaine, on a fait le béton en 2 week-ends. Et c'était vraiment bien, et là, c'était un spot à moi, tu vois, qui dure toujours, qui n'a pas bougé, qui est compliqué à skater parce que c'est petit, c'est étroit, mais qui a quand même une... Il y a un truc, quoi, il y a un cachet, c'est dans une cave, quoi, c'est quand même un truc sympa, quoi. Et voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose de plus grand, de plus original. Voilà, on évolue avec le temps et Sartopia, c'est vraiment une sorte de mix de Clairet avec quelques courbes hyper raides près du barbecue. D'ailleurs, le spine qui rappelle le spine de Clairet aussi, avec un seul tube. Voilà, les margelles qui sont les mêmes margelles qu'à la cave, qui avaient été récupérées dans le même lot. Le cercle dans le plan incliné qui est le tour du pressoir à vin de la cave que j'ai démonté et que j'ai remis ici. C'est tout ça, c'est 20 ans d'objets que j'ai stockés de déménagement en déménagement. J'ai toujours gardé mes bouts de ferraille, mes bouts de bois, mes bouts de machin, et je les ai toujours repris, retrimballés avec mon camion et restockés dans un coin. Et tout est ici, en fait. Tout est dans le jardin, maintenant.
avec les potes avec qui on bosse sur les chantiers pro. Ils sont tous venus me filer un coup de main pendant 2 semaines. Et voilà, on a bétonné tout ça. C'était il y a 2 ans, en 2019, l'été 2019. Puis petit à petit, bah, avec Lucille et les enfants, on a créé un petit lieu sympa avec le bus, le potager, les poules, la petite mare, les cabanes dans les arbres, les trucs à droite à gauche. Tu veux une chip ? Donc en fait, on est isolé géographiquement, mais on n'est pas du tout isolé culturellement parlant. Parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours de l'énergie, il y a toujours des choses qui se passent. Donc là-dessus, c'est quand même mortel. Donc t'as l'avantage d'être ouvert, sans l'inconvénient de te sentir isolé, quoi, en fait. Puis au final, Joe, avec les années, il est connu pour ses constructions, il est connu pour son skate, il est un peu médiatisé quand même. Et du coup, il y a du monde. On a des connexions un peu partout depuis longtemps, on a toujours bougé, donc on connaît surtout tout l'ouest de la France, entre Rennes, Le Mans, Angers, tout ça. Enfin, on a beaucoup rayonné, donc on connaît pas mal de monde, donc il y a souvent du passage. Il y a une caisse, je sais pas si elle est toujours là, où il y a plein de magazines de skate, et puis presque tous, il y a papa dedans. Je me dis, mais papa, je m'en rends pas compte comment il est, je me rends pas compte qu'il est une grande star en fait. Une grande star du skate, je m'en rends même pas compte. Il est beaucoup fort, hein. Mais souvent, quand il est devant tout le monde, souvent il rate un peu tout parce qu'il regarde les gens. Mais j'ai déjà vu en cachette faire une belle figure en skate, hein, je t'assure, quand il est tout seul. On a à peu près une historique de 20 ans de construction dans la famille, parce que mon père est charpentier. Il a toujours fabriqué des choses. On avait des curbs en palette, des flat bars, on avait une mini rampe dans le jardin. Donc il y a un peu une espèce d'ADN de construction qui s'est implanté dans Joe. Je pense qu'en fait, ça va au-delà de l'esprit DIY chez Joe. Je pense qu'il y a un côté jusqu'au boutiste chez lui qui est assez impressionnant. Mais ça a toujours été. Il n'a pas attendu de faire du skate ou quoi que ce soit. C'est quand il commence un truc, il faut qu'il aille au bout et jusqu'à ce que tout le monde s'inquiète pour lui, tellement il va loin. Moi, chez moi, le canapé, il sert à rien. Enfin, pour moi, un canapé, ça sert à rien, tu vois. Et c'est, s'il fait beau, je suis tout le temps dehors. Et s'il pleut, je trouve un truc à faire dans le labo photo ou sur l'ordi. Et forcément, quand il y a un projet comme ici, ben ouais, ça impacte grave sur la famille. Et heureusement que j'ai une femme en or et des enfants merveilleux, parce que sans eux, sans leur soutien et sans leur flexibilité et le fait qu'ils comprennent, j'ai besoin de ça. C'est ma thérapie de vie, quoi. Genre, si je fais pas ce que j'ai dans la tête, je deviens fou. Donc si je me suis mis un truc en tête, je vais le faire. Parce que quand je l'ai là, c'est là et c'est tout de suite, quoi. Et du coup, ouais, forcément, ça impacte sur la vie de famille, parce que le temps que je passe à faire autre chose, je le passe pas avec eux. Mais on s'en sort, ça va. Je me calme et j'essaie de faire la part des choses. C'est cool. Certainement qu'il écoute, je m'en bats les couilles, parce que j'ai rien à lui cacher. Écoute, voilà, ce qui est assez drôle quand même, enfin, moi je le prends avec le sourire, mais c'est que pendant des années, j'ai construit des trucs à la sauvage, et notamment à Cléré. J'ai construit à la sauvage, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans. J'ai jamais eu un souci, tu vois, on m'a jamais dit « Ah ouais, faut détruire, tu respectes pas ça, 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 ça. » Et là, je me dis, maintenant j'en ai marre qu'il y ait ce risque de destruction, tout ça. Donc je fais un truc chez moi, sur un terrain privé. Et là, c'est le monde à l'envers. Parce qu'au final, maintenant je suis emmerdé, parce que j'ai mon voisin qui cherche à tout prix le moyen de faire en sorte que j'aurais fait ça illégalement et qu'on n'aurait pas le droit de faire un skatepark dans son jardin. Et qui cherche à tout prix les procédures pour me la mettre à l'envers parce qu'il est aigri et qu'il veut absolument me faire du tort. Alors que moi, je suis quelqu'un de plutôt sage, je suis souvent en déplacement, je fais pas trop de bruit, on est une famille, voilà. Mais voilà, lui, il cherche à tout prix le moyen de faire détruire mon projet, mon rêve, en gros, mon petit paradis. Il y a une procédure en cours, ça va durer longtemps. Tout le temps que ça va durer, on pourra skater, donc c'est que du positif. Moi, s'il y a 1 an et demi de procédure encore, il y aura 1 an et demi de skate, on leur a saigné le spot. Même si je crois pas que ça va être détruit, parce qu'on est armé, on est une famille, on est des skateurs. Mais bon, admettons que ça arrive, ce sera pas grave. On fera un autre spot ailleurs, en privé ou en public, ou peu importe, on s'en fout, quoi.
tant qu'il y a à skater, tant qu'on peut faire des nose blunts. Dans la maison de mes parents, qu'ils ont acheté en 91, un an avant ma naissance. Mon père a déménagé, mais ma mère a toujours la même. C'est mon père, en fait, qui a commencé à nous faire une petite rampe quand on était petit, avec mon petit frère. Il était professionnel hockey, du coup, il skatait, mais il s'énervait pas pour pas se blesser, quoi. Ça a duré quelques années, et bon, après, le bois, il était un peu fracassé. Du coup, on s'est dit, bon, on va apprendre à faire du béton. Mon père était déjà parti dans le sud, du coup, c'est mon grand-père maternel qui était maçon, qui nous a appris à faire du béton. Et petit à petit, on a continué et tout. On a pris les gabarits de la micro et on a commencé là-bas, au fond. Il a fait tout à la main, le premier bol, alors que la bétonnière était chez le voisin. Ça, je savais pas. Je l'ai su qu'après. Il avait prêté au voisin, mais nous, on savait pas, donc on a fait tout à la main. C'est quand même plus simple, la bétonnière. Hein. Ma mère, c'est elle qui m'a dit, bon, t'as un bout de terrain, amuse-toi, mon fils, ça, c'est ton côté... C'est ton truc artistique. Bon, elle m'avait passé qu'un bout, du coup, j'ai pris tout le jardin quand même. Petit à petit. Une fois, elle est partie en vacances, j'ai fait une partie en plus. Une semaine après, elle est revenue, j'avais fait ça, là. Ouais, je me suis fabriqué un spot chez moi pour être tranquille, pas aller dans les skateparks, me faire chier avec des gamins en trottinette qui me cassent les couilles. Et même, je voulais être dans mon jardin, bien, construire mes trucs. Ce qui était ce que je construis, c'est un peu ce que j'aime. Centre de gravité bas. Spot pour petits gros, en fait, je fais. Comme moi. Je veux vendre, après, si elle est plus heureuse dans le sud, je lui souhaite. Hein. Moi, je suis dans le sud aussi, donc bon. Bah, le parc, je sais pas, il va être rasé, j'en ferai un autre. Il a fait son temps, le truc. Hein. T'as vu le machin, dire un dinosaure. Très bien, si elle vend et qu'elle est plus heureuse en bas, c'est parfait. Et ça, on en fera un mieux dans le sud. Pas se branler les couilles à la plage, voilà, quoi. La banlieue, c'est marrant 5 minutes, mais le seul truc qui va manquer, c'est l'eucalyptus, quoi. C'est ça, le truc du spot, qui fait toutes ces fissures partout, en fait. Ah, mais ils vont le raser si on est dans la maison, de toute façon. Ils vont te l'abattre en 5 secondes, le truc. J'ai fait les courbes à Cove Beach, là, le deuxième, sur un terrain où il n'y a rien du tout entre les usines, tu vois. Et ça faisait un an et demi que c'était là, et là, Vance va remettre des thunes pour qu'on fasse des courbes. On revient le lendemain, plus rien. Bulldozer, genre maintenant, c'est une déchetterie, t'sais. C'est un amas de gravats, en fait, c'est tout. Ah, c'est pire qu'avant. Nous, on avait plein de trucs en rose, on nettoyait le terrain, tu vois, tout était bien, tout était beau. Un an et demi qu'on était dessus. Oui, c'est chiant de bosser dans le vide, mais après, c'est le jeu. C'est le truc éphémère, quoi. Après, là, c'était un peu abusé, vu que le spot, il était au milieu de nulle part, on faisait chez personne. Bah, t'étais avec moi, hein, t'as bossé jusqu'au soir avec nous, le lendemain, tu reviens, il n'y a plus rien. Comme si j'avais jamais rien existé, quoi. De toute façon, c'est le jeu, c'est tant qu'on ne trouvera pas un truc privé au final pour nous. Un truc qui sera cassé dans tous les cas, quoi. À moins que t'aies vraiment de la chance, quoi. Alors que là, on allait l'agrandir 2 fois plus, enfin, c'était parti pour faire un vrai truc. Et ben non. J'aimerais bien refaire un nouveau truc, je sais pas encore quoi, ni où. Mais j'ai quelques idées en tête, donc je vais voir. C'est choper un bon spot, cool, on va pas se faire raser direct. Juste un petit truc pour commencer, pour qu'on rigole un peu et après faire un vrai spot. Alors la piscine de la forêt a une grande histoire. En 1899, l'État a cédé cette parcelle à la ville de Fontainebleau pour en faire un réservoir d'eau qui servirait à tout le territoire. Réservoir d'eau qui a été peu utilisé jusqu'à la guerre où les Allemands ont décidé de faire sauter le toit du réservoir d'eau et d'en faire un lieu de baignade. Cette idée de baignade a été reprise après la guerre par la municipalité et dès 1950, il y a des autorisations qui ont été données pour en faire la piscine de la forêt telle que vous et moi l'avons connue, c'est-à-dire un lieu de baignade.
quand j'étais petit, je venais ici pour me baigner. On savait que c'était abandonné. Et on a décidé un jour de se lancer et de faire un peu de béton dedans. J'ai eu un skate shop dans cette ville, à Fontainebleau. Ça a duré 5 ans, Cream Skate Shop. Et c'est avec les anciens du team qu'on a vraiment commencé ici à faire du béton. Alors la piscine, elle a arrêté l'exercice de piscine et c'est devenu un bar. Par la suite, un bar avec des activités plein air, des choses comme ça. Mais c'était plutôt un bar de nuit parce que les activités plein air ne marchaient pas et ça a fait faillite. Il y a eu des problèmes apparemment de gestion, donc du coup, problèmes financiers avec la justice. Et il a laissé ça à l'abandon apparemment les propriétaires. Ouais, depuis 6 ans ici qu'on travaille, on n'a pas eu de problème, à part récemment avec justement ce projet de futur skatepark. Du coup, la mairie s'est jamais réveillée pour un skatepark et maintenant se réveille et s'aperçoit qu'en fait, il y en a déjà un, mais qu'il est DIY pirate. Alors Guillaume, c'était un de mes riders à Crime, qui vient de Montargis, qui est une ville du 45 où il ne se passe pas grand-chose non plus. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite su que ça allait être un bon et je l'ai pris avec moi à Crime. Et après que le magasin est fermé, on avait notre skatepark local, Bois-le-Roi, où on était excédés du monde. Et c'est avec lui et son pote Brian qu'on a vraiment commencé le lieu. Alors Tom, lui, pareil, c'était un gars de mon team. Il était tout jeune et quand il est revenu de vacances, il a vu qu'on avait fait des courbes et tout. Il était complètement fou. Il a fait « Ah ouais, ok, son père nous a aidés, nous a acheté au moins 20 paquets de ciment. » Et il a toujours été là, nous aider depuis le début aussi. Et maintenant, c'est devenu le local killer. Bah, je trouve ça assez ouf en fait quand on est là depuis le début. On voit qu'au début, ça part d'un délire entre potes où ils font deux jerseys. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait clairement un bowl en fait. T'attendais pas à ça, je pense. Personne s'attendait vraiment à ce que ça devienne comme ça. Et qu'il y ait autant de monde qui passe, parce qu'au final, il y a eu les gars de Vans, les gars d'Antiz, les gars de Witchcraft, Volcom aussi qui sont passés avec le Team US. Il y a eu vraiment du beau monde, donc ça tue. Enfin, vraiment, dans ce spot, ce qui est trop cool, c'est d'avoir ce truc de transmission en fait. Clairement, genre, c'est les gens d'ici un peu qui nous ont transmis un peu comment faire le béton. Nous, on le transmet aux autres. Et petit à petit, à force de faire, en plus, enfin. Ils se sont améliorés de fou parce que les premières courbes, au début, enfin, même dans le corner qui est là-bas, enfin, on voit qu'elle est toute bosselée. Alors ici, il y a des jeunes qui sont sans abri, qui viennent dormir ici. Il y a eu souvent des turnovers, des personnes différentes. Nous, quand on est arrivé ici, il y avait une personne qui s'appelait Simon, qui était plutôt âgée et qui vivait sur le lieu. Et un ancien maçon, il nous a aidé à faire du ciment, il nous a aidé à faire les courses, c'était vraiment des bons échanges à l'époque. Et il a appris un peu à Nono à faire les mélanges de ciment et tout ça avec des techniques en mode escargot où on fait des cercles et après on mélange tout. Et en gros, ce mec-là, un jour, j'étais au collège et on m'a proposé d'aller à un barbecue. Et je suis allé, j'ai vu Simon qui était en fait genre tout clean et qui était revenu dans la vie active, qui n'était plus du tout à la rue ou quoi que ce soit. Et depuis ce jour-là, bah, il n'est plus ici. Et ce gars-là, c'est trop drôle parce qu'il nous a grave aidé au début. Et lors d'aujourd'hui, il s'en est sorti. Et... Enfin, je trouve ça trop beau. Ah non, l'histoire, elle est dingue. C'était trop beau. Et ensuite, il y a eu un petit turnover de personnes. Et on s'est toujours gardé un bon échange ici. Donc, ils se sont engagés à nettoyer en fait, la grande partie. Nous, on doit nettoyer toute notre partie, tout ce qui est déchets après les travaux. Donc, planches de bois, sacs de ciment, sacs de sable, boissons, bouteilles d'eau. Et voilà. On espère se mettre en contact ici avec une association qui aide déjà les SDF qui sont présents pour pouvoir garder lieu déjà pour eux et aussi nous permettre de garder lieu dans un futur quand ils auront décidé d'engager les travaux. Alors le récap de chez Claude, c'est quoi? C'est je pense 2009, un truc comme ça. On nous vend une ancienne usine Caterpillar qui est complètement en friche, abandonnée. Et du coup, on investit un peu le lieu avec pas grand-chose, sans avoir jamais fait de ciment de notre vie, ou de béton. Et puis voilà, on a essayé de faire un module, et puis deux, et puis trois. Après, on a trouvé un gars qui connaissait mieux que nous, qui est des mecs qui bossaient dans le bâtiment. Et puis, on a fini, pareil, alors c'était plus long.
je crois au moins 6 ou 7 ans après, avoir une espèce de mini combi pool hyper rad dans un lieu qui était parfait, quoi. Et là, on faisait ce qu'on voulait. Là, on avait, on venait avec un groupe électrogène, on foutait la lumière, on faisait, on skatait jusqu'à minuit. C'était nickel, quoi. J'étais au début de ce spot. Du début à la fin, j'étais pas mal investi là-dedans. On a appris vraiment à faire des DIY et quand ça a été détruit, on était un peu nostalgique de ça. On a voulu vraiment reproduire cette expérience. Clairement, quand t'as goûté à ça, t'es obligé d'y retourner. Et on a entendu deux, trois potes qui ont trouvé un spot plusieurs années après, qui est ce spot-là. Et on s'est mis au boulot, quoi. Donc on a attaqué un petit spot, une petite partie. Et on avait un peu la folie des grandeurs avec Guillaume, parce que le spot était assez gros de chez Claude. Et on est parti direct sur un truc un peu plus gros et ça grossit de jour en jour, quoi. Alors, au départ, la mini-rampe, je pense qu'il voulait plus ou moins s'arrêter là ou faire pas plus gros que ça. Et puis après, l'appétit vient en vengeance. C'est le problème de ce genre de truc aussi, hein. Ils n'étaient pas au courant que si on mettait le doigt dans l'engrenage de perfectionner ou d'agrandir, il y a un moment donné où tant que t'es pas freiné par rien, ni les autorisations, ni l'approvisionnement, ni le financier, tant que t'as pas de problème, tant que les mecs sont motivés pour venir travailler, ça peut quand même avancer relativement vite. Tout est question de motivation, c'est vraiment ça, c'est l'appétit vient en mangeant, si tu plaques des tricks, tu vas en plaquer plein, et c'est pareil, c'est exactement la même. On avait goûté un truc fat, ça, du coup. T'as envie de refaire un truc de connard, t'sais. C'est obligé. À quoi bon être raisonnable, tu vois, c'est l'intérêt de ce genre de truc, quoi. Au final, il y en a beaucoup des ponts d'autoroute ou de sortie de rocade ici, mais il n'y a que celui-là qui avait cette configuration et qui était vraiment, vraiment intéressante. Je me rappelle des premières fois où j'étais là, où le spot n'était pas encore vraiment connu. Les locaux, ils ne le disaient pas forcément qu'il y avait ce spot-là. Et ça nous arrivait régulièrement de voir de l'autre côté du pont, de l'autre côté de la rivière, des kids qui cherchaient le spot et qui s'étaient perdus et qui faisaient des kilomètres dans la brousse à trouver le spot. Et on leur disait, mais non, vous êtes trompés, les gars, il faut refaire 2 kilomètres dans l'autre sens et prendre le bon pont. Donc c'était vraiment cool. Et on sentait qu'il y avait un intérêt autour de ce spot et que les kids, ils venaient chercher aussi par derrière. Sous le pont, c'est de concession autoroute Vinci. Donc rien que la parcelle, déjà, il y a plusieurs gens qui la gèrent. C'est pour ça que les mecs de Vinci nous ont dit jamais dépasser le pont. Parce qu'ils savent pas ce que les gars de Veolia vont dire ou faire, mais c'est normal. Si tu veux, comme je disais tout à l'heure, qui c'est qui va dire « je savais pas » Veolia, Vinci, ça fait 28 mètres de long, ça fait 5 ans que c'est là. Tu vois, il faudrait quand même être con pour à un moment donné pouvoir prétendre qu'ils sont pas au courant, quoi. Et qui ne dit mot, consent. C'est notre mentalité, on sait qu'à partir du moment où on commence, ça peut s'arrêter le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'est absolument pas dans une projection temporelle comme tu peux l'entendre. Je me dis pas dans un an. Ce que je me dis, moi, c'est demain, s'il faut, il n'y en a plus. Ça permet de profiter, ça permet d'investir un petit peu vraiment sur le court terme et ça permet de faire vivre. Si tu fantasmes qu'à un moment donné, ça puisse passer légal ou un truc comme ça, ici, sûr que non. Mais bon, après tout, quand il vient ici, il voit que c'est que du travail et quelqu'un qui connaît le travail, il est calmé, quoi. Même les flics, ils sont calmés. Hein. Tu vois, ça vient, ça laisse la bouche ouverte. Plein de parcs qui se construisent en France, mais par contre, voilà, les designs, ça a quand même tendance à être souvent un peu la même chose, quoi. Et tu fais un skatepark qui ressemble à tous les autres skateparks, un skatepark type, bah t'es mort, quoi. Je veux dire, les gamins, ils vont tous faire la même chose. Si le skatepark, il est pas un peu pensé par des gens qui se disent « Oh, faut que les mecs, ils se bougent à trouver de bonnes idées, donc faut que ton skatepark, il soit tordu, il soit bizarre, il soit pas comme les autres. » On a fait un pèlerinage en Oregon, on a pas mal compris de choses. Là-bas, c'est toutes les entreprises qui font des skateparks, c'est des mecs qui viennent du DIY. C'est un pote de Belgique qui m'a dit ça, je trouvais ça génial. Il me dit, est-ce que tu ferais réparer ta voiture à un mécanicien qui a jamais passé le permis? C'est typiquement des gens qui ont vu le boom du skatepark béton en France. Et comme à l'époque, dans les années 90, avec le modulaire, il y a des boîtes qui ont sauté sur l'occasion. Du coup, ils se sont lancés, c'est des bons vendeurs face aux mairies. Ouais. Puis voilà, bah, y a des jeunes qui vont se retaper des skateparks de merde pendant 10 ans de leur vie parce que la mairie sera ruinée à construire ce truc. Je pense que ce qui rend les skateparks génériques merdiques, c'est qu'ils sont faits pour tout le monde, en fait. Et donc, à force de faire un truc trop parfait, on s'ennuie. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs bah, qui s'acharnent à faire du street, qui s'acharnent à rider des poules. Et le DIY, c'est un peu un... Tu te retrouves avec un compromis là-dedans, tu vois. Et
un truc qui est qui du coup est super fun à skater quoi, parce que ça allie un peu le meilleur des deux mondes. À la base, le spot ici, c'est des vieilles carrières. Donc autour, il y a encore une carrière d'ailleurs qui est en activité. Et donc ici, le spot, c'est pareil. C'est pour ça qu'on voit des fois des stries dans la pierre. C'est vraiment la coupe qu'il y a eu avant. Il y avait déjà un vieux, une base de skatepark, quoi, on va dire. Les stries, du coup, de la coupe de la pierre, qui étaient dans le sol. Du coup, tu pouvais rouler que dans un sens. Enfin, genre, c'était impraticable, quoi, vraiment. C'était pas trop skatable, quoi. Et après, la mairie s'est chauffée. Ils ont mis une couche de goudron par-dessus. Donc ça a encore cassé les courbes, tu vois, ça a fait des espèces de langues en bas des courbes, ça a cassé les rayons, du coup c'était encore pas trop skatable. Et c'est là déjà, donc il y a peut-être maintenant, peut-être 15 ans, que la mule et les autres, ils sont arrivés, ils ont commencé à refaire un peu les jonctions, et puis ils ont refait un peu de béton contre des pierres à gauche à droite. Et ouais, il y a 7 ans, c'est vraiment motivé, et là c'est parti d'année en année, à faire de plus en plus, quoi. Avant, ce qui était pas mal, le skatepark de Gramont, et puis... Je sais pas, on commençait à venir ici, mais à l'époque, c'était vraiment très, très dur à skater, quoi. Il y avait des trous partout. Donc, on avait une asso, enfin, on a toujours une asso qui s'appelle Hang Up, pour essayer de faire vivre un peu, enfin, faire des events un peu peut-être plus orientés courbes à Montpellier, ce qu'il n'y avait pas trop, parce que c'est plus, quand même plus orienté street. Et donc, voilà, on venait ici skater, et puis on s'est dit, ouais, bah là, c'est clair qu'il y a une occasion, il y a moyen de faire quelque chose de cool, quoi, de faire du béton. Et au début, voilà, on n'avait pas de matos, rien, pas de connaissances, et du coup, c'était vraiment un peu à l'arrache. En 2014, on a eu l'autorisation de construire, de faire des événements. Du coup, là, on a pu avoir de l'argent, acheter du sable, du ciment, et avec Sanglier qui nous a aidés, c'est allé assez vite. C'était déjà un skatepark avant, ça nous donne quand même une position un peu plus confortable qu'un DIY complètement illégal sur un terrain privé, quoi. Et nous, c'était un peu qui tout double à un moment, justement, quand on les a contactés, lors de la première jam, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on attirait de l'attention sur ce qu'on faisait, donc on s'est dit, il faut quand même qu'on fasse ces choses un peu carrées. Et ben, en fait, ça s'est super bien passé quand même. D'entrée de jeu, on les a rencontrés à la mairie, et ensuite on est venu sur le skatepark avec eux. C'était trop drôle, quoi. Moi, ça fait quand même rire de voir des élus parler de skatepark, de skate ou de machin. Ça fait toujours. Ils vont toujours te dire, ouais, mon fils, il fait un peu planche à roulettes. Et du coup, ouais, ils nous ont dit, ah ben ouais, ben, on est content de vous rencontrer. Parce que on voit que qu'il se passe des choses là-bas, on n'est pas au courant. Donc, on s'entend bien avec la mairie, ils nous laissent faire notre truc, mais ils ont bien compris qu'on voulait rester dans notre coin un petit peu. Et du coup, ça se passe super bien, quoi. Non, ils nous donnent pas d'argent, mais c'est leur skatepark, quoi. C'est le skatepark de la mairie, à la base, quoi, tu vois. En fait, avec l'association qu'on a fait, on a le droit, justement, d'exploiter le lieu et de, voilà, de le modifier, de le développer. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Et... Nous, ça nous donne aussi la confiance de vraiment d'investir, tu vois, longtemps. On n'a pas ce truc de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois, où à tout moment, le skatepark, il peut être détruit et tout. Normalement, ça va rester. En plus, ici, je pense que c'est une zone protégée. Il n'y aura pas forcément de projet immobilier tout de suite. La première fois qu'on les a rencontrés, ils ont bien compris qu'aucun d'entre nous était de Beaulieu, quoi. On était tous des Montpelliérains. À l'époque, je me souviens, on était frustrés à Montpellier, quoi. Gramont, ça bougeait pas du tout. Il y a une super époque de Montpellier où vraiment... Il y avait du monde qui venait, mettons des gars qui faisaient une tournée, qui allaient en Espagne ou quoi, et à Marseille, ils venaient à Montpellier. Puis petit à petit, c'est plus rien passé. Et c'était libérateur, quoi, dans un sens. Quoi. Parce que clairement, à Montpellier, c'était un peu verrouillé, quoi. Et puis pareil, faire du DIY à Montpellier ou autour de Montpellier, c'était, je pense, plutôt risqué. Même si on était un peu à la campagne, mais sur un territoire qui appartenait à Montpellier, on aurait eu affaire à une grosse machine politique. Enfin, ça m'étonnerait qu'il laisse pas passer un truc comme ça, quoi, a priori. Bah ici, on fait une jam tous les ans. Du coup, on vend de la bière et puis bah, on le transforme en béton, quoi, on va dire. Puis ça marche bien, quoi, parce que y a tout le temps du monde qui vient, il y a une bonne ambiance, c'est à la cool. Tous les ans, les gens y reviennent, il y a de plus en plus de monde. Des petits concerts, tu vois, une bonne ambiance tout le week-end. Il n'y a pas de prize money. Les gens viennent pour des jolis lots, les gens ils viennent pour l'esprit. Et c'est ça qui est beau, quoi. Le premier, c'était un peu léger, et le second, on était surpris.
J'avais jamais vu autant de monde sur le parc, en fait. Moi, j'aime bien le contraste qu'on a réussi à créer, quoi, où c'est, on a des influences un peu trashos, tu vois. On aime plutôt un montage bien punk avec beaucoup de monde. Et en mode, la jam, souvent, c'est un peu risqué quand même, tu vois, ça se croise et tout. Et en même temps, on fait un truc qui est quand même super familial. L'année dernière, on a fait un curry vegan, mais je trouve ça, enfin moi c'est ce qui me plaît le plus quoi, c'est mélanger ces deux trucs, c'est pas incompatible quoi. Donc, un jour j'arrive sur le spot pour bricoler, je sais plus c'était pour quoi faire. J'enfile une paire de gants que je trouve par terre, je mets la main dedans. Oh, je sens quelque chose, je retire un billet de 20 euros et une carte. Je regarde la carte et là, c'était Oli Burgin de Portland à Bâle. Donc il avait écrit sur la carte, c'était sur la route en allant à Barcelone, c'était arrêté sur le spot et qu'il avait laissé 20 euros ou je sais plus combien pour qu'on achète des bières ou qu'on achète du béton, quoi. Nous, on avait été pour le boulot à Budapest. Et on était allé voir un spot qui s'appelle Nagiche DIY. Et vu que les gars de Portland nous avaient laissé de la thune pour le spot, nous on a décidé de faire pareil, vu qu'on passait par là et qu'on n'avait croisé personne. On leur a laissé un peu de thune avec un petit message et tout, et nos comptes Instagram. Et du coup, ils nous ont retrouvés. Enfin, c'était super cool, quoi. Et enfin, voilà, je pense que tout le monde, tous les spots DIY ont intérêt à perpétuer ce truc-là. Tous les mecs qui sont investis dans le DIY, ils connaissent les autres spots en Europe, les autres spots aux États-Unis. Ils regardent ce que font les autres et ils regardent, ils échangent des techniques et des outils. C'est vraiment, c'est une communauté de ouf. Et donc effectivement, c'est comme quand tu skates dans les années 80, il n'y en a pas beaucoup. Donc dès que tu en vois, forcément, ça devient vite tes copains, quoi. Oui, on va voir ce qu'on fait les uns les autres. Oui, on regarde de plus en plus comment ils travaillent. On analyse les différences parce que, mine de rien, si on a envie que ça soit beau et que ça soit bien fait, il y a une vraie manière de faire et cette vraie manière de faire, à un moment donné, il faut l'attraper pour de vrai, quoi. Nous, quand on a fait chez Claude au départ, si tu veux, on n'était pas tout seul, mais on était presque tout seul. En plus, c'était un peu le début des réseaux sociaux, donc on ne savait pas trop comment ça marchait pour se connecter avec le monde à travers ce vecteur-là. Et si tu veux, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te sens seul, tu sais pas comment faire et que c'est assez compliqué de... T'as une bonne partie des gars, ils vont se retrouver sur des chantiers pro ensemble ou sur des chantiers bénévoles ensemble ou sur des DIY ensemble. Et du coup, il y a une sorte d'échange de savoir. C'est un petit peu comme si c'était le compagnonnage, mais dans la construction de DIY, quoi. C'est les jeunes, les vieux, tout le monde travaille ensemble, s'aide. Ou s'aide avec des tips sur Instagram, ou peu importe, tu vois, mais où là, nous, avec mon pote Simon d'Angers, on a été aider les gars à Nantes parce que ça nous faisait plaisir, parce que c'est qu'à 2 heures de route. En un confinement, ils ont fait un super DIY avec plein de courbes et c'est trop cool. On était sur un chantier pas loin de Marseille, on était à 2 heures de chez Enzo à Barbecue DIY, donc on a été là-bas. Pour chiller pour le week-end, mais au final, on a fait une courbe. Et puis les gars de BBC, ils vont aider les gars à Marseille et ils vont aider les gars à Nîmes. Et puis voilà, c'est que ça. Et c'est trop bien. Et maintenant, même dans les boîtes, on s'échange la main-d'œuvre, entre guillemets, tout le monde s'aide. On s'entend tous trop bien, on a la même vision du truc. Et il y a vraiment une famille du. En plus de la famille du skate, il y a la famille du skate DIY, on va dire, un peu. Et ça se ressent vraiment, quoi. On est tous trop contents d'être ensemble, on a tous la même vision qui est globale, qui est anti-Jeux Olympiques. On fait l'opposé de ce qui se passe dans le skate comme un sport, quoi. Ça correspond un petit peu plus, on va dire, à ce que nous, on a connu quand on a commencé le skate et les raisons pour lesquelles on commençait le skate, que c'était vraiment fin des années 80, début 90, c'était l'appartenance à quelque chose de spécial, hein, qui n'était pas un sport classique, qui était plus un crew de gars qui vont aller skater sur le parking de la médiathèque, faire du slappy curb, et puis se motiver une fois par mois à aller devant le cinéma parce qu'il y a un rail de 10 marches et à monter dessus en caveman, etc. Et toute cette histoire, cette historique qui fait qu'on est devenu, qu'on est des skate rats, c'est qu'on est devenu ce qu'on est et ce qu'on aime dans le skateboard, je pense que ça retranscrit ça, et c'est intergénérationnel, donc c'est vraiment incroyable.
C'est un sport beaucoup aimé, du coup, c'est pas si rarement que j'en trouve des copines avec qui aiment bien le skate. Mais encore, j'en ai vu une qui avait 12 ans, je sais pas, elle savait même pas taper le skate. J'ai appris comment faire. J'ai une vision complètement différente, puisque eux, ils ont un intérêt qui est évident. Tu peux te dire que faire du béton, monter une courbe, ça paraît pas forcément accessible pour une nana. Il faut pas avoir peur, parce que tout le monde peut apporter ce qu'il peut apporter. Quoi. J'ai trouvé ma place et je pense que ouais, je fais carrément partie de l'aventure, même si j'exploite pas le spot de la même manière qu'eux. Quoi. Je pense que le fait d'avoir trouvé une famille comme ça, ça aide beaucoup de gens parmi tous ces gens-là. Ça nous aide. Quoi. On se dit qu'il y a toujours ça de notre côté et qu'on a toujours un droit où venir si ça va pas. Quoi. Part d'un groupe de jeunes skaters dans un village sans skatepark, sans spot. Donc on s'est rapidement mis à faire nos premiers spots DIY. Donc on a fait des modules street sur un terrain de tennis, on a investi un château. Après on est rapidement venu ici sur le terrain avec un peu plus d'expérience, un peu plus de savoir-faire pour faire nos premières courbes. C'est à Boisson, c'est dans mon village, du coup j'ai bien choisi le village. Ah non, au début ils ont fait tout seul, hein. Non, ils se sont motivés. Hein. Et puis ils ont appris aussi un peu ici en voyant, en regardant les techniques. Ils viennent des fois, ils se retrouvent à remplir les bétonnières, hop, t'apprends, après tu passes à faire autre chose, à tenir la règle, machin. Donc au bout d'un an ou deux à Beaulieu, à faire des énormes courbes, c'était pas les mêmes modules qu'on faisait, quoi. Donc on a rapidement pris le coup de main. Donc on est venu là, on a fait nos premières courbes, donc on l'a fait en deux parties, en deux phases, avec une grosse partie un peu plus raide, une petite partie pour pouvoir cruiser. C'est un peu dur à rouler au début, mais tu t'adaptes vite et c'est d'autant plus fun. Quoi. Pendant un moment, je streetais, mais une fois que t'as ça chez toi, t'as plus envie de sortir. Quoi. C'est les gens qui viennent ici, on se fait des sessions. Ce terrain, il appartient à ma famille depuis des années. Donc on a cet ancien chalet que mon père a construit un peu en ruine, mais bon, on l'a retapé. Donc on peut faire dormir pas mal de monde ici pour organiser les sessions, qu'on soit tranquille. Quoi. Ici, c'est un réel lieu de vie. Quoi. Il y a plein de jeunes qui sont épanouis, qui viennent skater ici souvent et qui adorent ça. Quoi. Il y a même des jeunes qui ont appris le skate ici. Hein. Ici, ouais, il y a toute une petite famille. Ça, c'est mon chien, Ja, Ja, viens. Mais le but, ce serait quand même d'être autonome, de par l'électricité, de par le potager. Enfin voilà, ici, on est en pleine nature, on essaye de sauvegarder le truc. Ouais, on fait du béton, c'est pas super cool, mais c'est pour pouvoir s'amuser. Et à côté de ça, voilà, on essaye de sauvegarder toute la faune et la flore qu'il y a ici, avoir plein d'animaux, nous, c'est notre kiff. Donc avec l'asso, on s'est motivé pour créer un pool, donc un pool à l'américaine. Ça serait un gros bol en béton. On aimerait le bétonner début printemps. Comme je vous ai dit, on l'a déjà creusé. Ça va être un gros projet, ça va être chambé, on a vraiment hâte. Quoi. On pourra rouler à plusieurs, il y aura les deux spots. On essaye de choper les spots à droite à gauche en organisant des événements avec des marques comme Vans qui nous soutiennent. Moi, je me vois bien juste ici, comme d'hab, gérer le spot, accueillir du monde. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir, quoi. Faire découvrir ce spot à des gens qui tombe amoureux, quoi. Donc là, je suis le plus épanoui possible et j'ai juste envie de continuer à faire du skate et faire découvrir cet endroit à tous les gens qui veulent venir skater ici et sont les bienvenus, quoi. Après, quand on voit des projets comme Saint-Jean-de-Maurienne, c'est beau, quoi. Genre, c'est incroyable. Manière associative, réussir à monter un projet, d'arriver à avoir un parc qui est reconnu presque sur la skate map mondiale. C'est géant, quoi. Après, sans Jay, il n'y aurait rien non plus, quoi. Tu veux qu'on enlève le bordel un peu ou... Non, bon, écoute, on va pas mentir parce qu'il y a la presse. Hein. Le bordel, c'est le bordel qui c'est comme ça. Là, on a mis les armoires devant, alors du coup, on s'en rend un peu moins compte, mais on a découpé tous les articles de presse. Au début, on trouvait ça cool, mais bon, je vais t'avouer qu'à un moment donné, c'était quasiment toutes les semaines. On a pris du retard, on les a pas tous. Putain, derrière l'armoire, il y en a, il est tellement ridicule. Le titre qu'ils ont mis, ça devait être... Si je dis pas de conneries, c'est Saint-Jean-de-Maurienne, future capitale mondiale du skateboard. Je sais pas trop quoi.
Au Pinel, ça a été un peu la clé, le départ du skatepark, en fait. Parce que la ville ne voulait pas construire, même en DIY, c'était super complexe, ils ne voulaient pas mettre ça en place. Et moi, je connais Max au Pinel, qui tient maintenant le musée à Saint-Jean-de-Maurienne. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, on va peut-être faire un parc à Saint-Jean. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait faire un Opinel skatable, ou le plus grand du monde, ou peu importe, histoire de marquer le coup, quoi. Et lui, il était partant tout de suite, mais il m'a fait un petit papier. Je suis retourné voir la ville, je fais, bon, on voulait toujours pas le faire, skatepark, c'est quand même dommage. Un papier de Maxime Opinel, là, on allait quand même construire l'Opinel le plus grand du monde au milieu du parc. Ça aurait fait une pub de dingue pour la ville. Tout de suite, ça a un peu changé. Leurs yeux ont commencé à briller. Ils se sont dit, ouais, putain, il est peut-être pas si con celui-là avec son skatepark, là. Ouais, moi j'ai eu la chance de rencontrer, comme je disais, les bonnes personnes. J'ai bossé avec Vertical, beaucoup avec les Belges. Concrete Flow, Concrete Dream, SCAP, tous ces gars-là. Et j'ai énormément appris à leur côté. Parce que je pense qu'honnêtement, j'aurais pas eu les couilles de me lancer. Comme certains gars, qui j'ai un respect monstre, qui, tu vois, n'avaient jamais fait de béton de leur vie. Et ils se sont dit, oh, j'en ai marre de faire des rampes en bois et de les démonter après 6 mois parce qu'ils sont foutus. Je fais du béton. Moi, j'aurais pas osé, j'avais pas cette expérience. Et moi, ça me paraissait impossible, tu vois. Je me suis dit, il n'y a que les maçons qui peuvent faire ça. Et d'avoir bossé avec ces boîtes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible. Il fallait, avec la volonté, il y avait vraiment moyen. You arrive maybe 5:30, 6 o'clock in the morning. Everybody gloves on, truck arrives, and there's just building one line of people and just carry buckets. And you're standing next to it like, what should I do? Like, yeah. I'm at the wrong place, you know, they are all so organized, like, everybody knows his job and it's going so fast. Ouais, bah à force, la technique du saut, là, autant les cailloux que le béton, on en a dû placer tellement de tonnes qu'on est pas mal organisé, ouais. Bah, pour te dire, il y a les Belges de Concrete Dream qui sont passés cet été, pour skater, donner un coup de main, et ils voulaient faire la petite partie dans la mini, et je leur disais, bah écoutez... Nous, t'as loché ça avec le matos que vous avez, on va y arriver, c'est sûr. Par contre, nous, c'est acheminer le béton, c'est raide pour nous, on n'a pas de projeteuse, quoi, donc on fait tout au saut. Et les gars disaient, ah putain, au saut, ça va faire beaucoup et tout. Et en fait, ce jour-là, j'ai appelé tellement de gamins, on était une trentaine le matin, et on a mis le béton en place plus rapidement qu'à la projeteuse. Parce que tu vois, il leur faut 15-20 minutes par mètre cube, et nous, on était plus rapide. Ils ont halluciné, c'était là, une armée de gamins, là. C'était génial. Ouais. Je commençais à y aller, mais je faisais de la trottinette. Du coup, ça n'a pas trop aidé. J'ai demandé à Jay. Il m'a dit de qu'est-ce que je pouvais faire et tout ça. J'ai attaqué à aider. Mais au début, c'était vraiment un tout petit peu. J'ai un peu la flemme. Il arrive vraiment à nous donner envie de travailler, quoi. Enfin, au début, c'était vraiment tu viens aider et après, tu peux skater. Sinon, si tu ne t'aides pas, tu ne skates pas. Et là, ça s'est un peu calmé. C'est pas strict, quoi. Genre, il nous forçait pas à travailler ou quoi. Donc, on restait le plus longtemps possible. Hop. Une fois que c'était le moment de ranger les outils, on pouvait déjà skater ce qu'on avait fait l'année d'avant. Donc ça a permis aussi de... C'est plus cool, quoi. Parce que la première année, il n'y avait que des moellons, il n'y avait que de la terre, genre... Ouais, tu construisais, tu savais pas trop où aller, tu vois. Ouais. Et puis la première fois où tu drops dans la mini, que t'avais grandir depuis le début, quoi, ça fait... Ouais, ça fait plaisir. Ouais, je me mets à la place de petit DIY où le gars fait ça dans son jardin avec ses propres thunes. Forcément, il peut pas faire ce qu'on a fait là, parce qu'il... Ah, il n'aura pas les mêmes moyens que nous. On a vraiment eu un super support des boîtes locales de TP, de maçonnerie, de fournisseurs de matériaux. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à faire le parc qu'on a fait. Donc, la ville est assez fière de ce qu'on fait. On a dans l'espoir de faire une pump track aussi qui serait reliée du parking jusqu'au skatepark. Bon, pour vendre le projet à la mairie, on a dit que ce serait la plus grande de France. Ouais, j'aime bien présenter ce truc comme ça. C'est une citation de mon pote Jérôme Heim qui fait aussi des DIY en Suisse, côté du Locle. Et en fait, quand tu fais des skateparks pour une mairie comme ça, faut faire comme les dealers, en fait. Il faut créer le manque. Du coup, on a fait cette première partie en montrant bien que, regarde, on peut pas s'arrêter là, sinon la moitié du parc est pas skatable. Tu vois. Et tu vois qu'après, ils sont obligés de donner un agrandissement, en fait. C'est assez drôle. La mairie, on commençait à prendre confiance en nous, à voir que ça avançait. Qu'on n'était pas que des punks à chiens, skateurs. Les premières années, les gens ils nous regardaient de travers. Et puis maintenant, bah voilà, des fois, il y a des papis ou des mamies qui passent le matin qui disent « Ah, mais attendez, ça fait 3 fois que je vous vois bosser, je vous amène un truc à bouffer. » Ils t'amènent un gâteau, un énorme plat de pâtes. C'est vraiment plein de trucs. Je trouve que c'est magique comme endroit. Bon, moi, j'ai jamais lâché le skate, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a plus grand monde. Et quand on a lancé ce projet, je vais t'avouer que la scène skate ici, elle était complètement morte. Et ça a été très dur à faire comprendre à la mairie d'ailleurs, parce qu'ils me disaient, ouais, mais
super, construire un skatepark, mais t'es tout seul à faire du skate dans le coin, on va pas faire un skatepark pour toi, quoi. Et je leur ai dit, écoutez, si on le construit, il y aura du monde. Puis bah, aujourd'hui, ça prouve que j'avais raison, parce qu'il y a un monde fou qui skate, donc ça a créé une scène, quoi, finalement. Ça a vraiment un engouement qui est plus que la scène skate, en fait. Il y a des gens de tout horizon, de tout âge, de tous les corps de métier, quoi. On a un pote soudeur, la SNCF, qui file tout le temps un coup de main, parce que nous, on est nuls en soudure. Et ainsi de suite. Du coup, ce que ça a créé autour, c'est une micro-communauté, quoi, maintenant. Ouais, t'as vraiment créé une famille, quoi. Depuis quelques années, surtout cette année, on a vraiment senti qu'en fait, ça prend en Europe et c'est magique, quoi. On s'attendait vraiment pas à un tel engouement, quoi. Il y a des samedis, des dimanches, c'est inskatable tellement qu'il y a du monde, quoi. Enfin voilà, des fois, 200-300 personnes sur le skatepark, c'est énorme, c'est même trop, mais... Bah, c'est assez drôle, quand tu traverses Saint-Jean, il se passe rien, c'est désert, ouais, tu te demandes ce qui se passe, tu vois. Et là, tu arrives ici, et c'est blindé de gosses, tu te dis, oh putain, en fait, ils sont tous là, quoi. Ah bah, c'est ça qui est génial, c'est que depuis 4 ans, on voyage sans voyager. Parce qu'on a eu des gens qui ont kiffé vraiment le projet, et ils sont venus nous aider de toute l'Europe. Ça permettait d'échanger et de discuter et de voir d'autres gens sans se déplacer de ce petit pays où on est. À pitié qu'on a des grands-parents qui sont venus, on a des gens à la retraite, on a... Ouais, beaucoup de gens qui... Ouais, parce qu'on parle souvent des gens qu'on fabriquait, mais il faut penser de l'intendance, tout ce qui était autour. Sans ces gens-là, on aurait perdu beaucoup plus de temps. Si on doit commencer à penser à aller faire la bouffe, aller faire ci, aller faire ça... Bah, pendant ce temps-là, tu n'avances pas. Et moi, je travaillais en station l'hiver à la maintenance. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a sympathisé. Et quand j'ai perdu mon emploi à cause d'un handicap d'une jambe, il m'a dit, écoute, tu sais faire pas mal de choses, si tu peux venir nous filer la main. Et c'est parti de là et je n'ai pas décroché du projet depuis parce que c'est un projet humain et c'est ça qui est superbe dans l'idée. C'est pas que pour le skate, c'est aussi pour les générations futures. Pour donner du plaisir aux gosses et puis qu'ils soient moins accrochés à leur téléphone, par exemple. Voilà, Jay, il a vraiment donné l'envie à tout le monde de faire quelque chose de propre. Et il a amené ses compétences. Et voilà, on a des jeunes aujourd'hui qui sont capables de faire des choses proches de la perfection. Et ça, c'est top. Quand on voit des gars qui ont appris à skater ici, comme Isaac, là, Isaac, Nathan, tous ces jeunes, ça fait un temps, ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils skatent. Ils ont pris un niveau de fou, quoi. Ils sont là tous les jours, ils progressent tous les jours, et ça, c'est quand même top, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on en aurait tous rêvé quand on était minots, quoi. On avait des bouts de parc sur des courts de tennis, là, du modulaire, c'était... Voilà, au bout de 2 jours, t'en avais marre, quoi. Ici, les petits, ils grandissent avec ça, ils rident ça tous les jours, et c'est géant, quoi. En tout cas, il y a des gamins, ça crée des vocations. Je pense à Julien, Léo, Julien qui avait arrêté les cours, il branlait rien, tu vois. Et il s'est mis à bosser ici. Il a repris les études en aménagement paysager pour pouvoir, dans le futur, faire ça, des petites allées en béton, des petits murets et tout. Je viens d'avoir 18 ans, puis ça fait 3 ans que je viens aider au parc tous les jours. Ça m'est déjà arrivé le matin d'arriver, de venir aider pour mettre en place et après, à 9 ou 10 heures, partir pour les cours. J'ai tellement aimé... travailler là que j'ai pour projet d'en faire mon métier à partir de l'an prochain. Je finis les études, je passe le bac et je pense que je vais me lancer là-dedans. En venant là, on se dit c'est pas des années de perdu quoi. Enfin, c'est à force de venir, tu te dis limite que bah, tu apprends un métier au final. Tu te dis bah, plus tard, tu as envie de te faire une dalle, tu as envie de faire des trucs comme ça. Tu as les moyens de le faire, tu sais. Enfin... Mais ils apprennent un peu la vie sans que ça soit le monde du travail complet, mais ils apprennent surtout à obtenir quelque chose par eux-mêmes. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui se perd et il y a pas mal de gamins qui l'ont compris, peut-être pas tous, mais le peu qu'on a convaincu aujourd'hui, on a gagné le pari de leur montrer que tout n'est pas gratuit, tout tombe pas du ciel. Ils se sont rendus compte qu'au fait, je pense on pouvait prendre les jeunes au sérieux. C'est pareil, on est dans l'ère où tout le monde parle de participatif, de chantier en commun, des choses comme ça. Il y a peu d'exemples concrets. Donc nous, je pense qu'on est vraiment un super exemple concret de ça, quoi. Avec peu de moyens, en se mettant tous d'accord, en prenant du temps chacun et que chacun amène ses savoir-faire, on arrive à rassembler tout ça et à faire un truc, quoi. Mais en fait, c'est une de nos missions, je pense. C'est de transmettre justement les vraies valeurs du skateboard, quoi. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les futures générations, déjà, ils vont skater des spots quand même bien hardcore. On va leur montrer
et on plante la graine et hop, on arrose. Et c'est, on aura des belles choses. Bah, tu prends du ciment, tu mets des cailloux dedans, il y a une bétonnière qui remue le béton. La base, tu mets des bouts de bois, tu mets des ferrailles. Ensuite, tu prépares le béton. Et après tu lisses et t'attends quelques jours le temps que ça sèche. C'est comme un gâteau un peu. Ouais, un peu. Sauf que ça prend pas des jours.